Bonjour, mon nom c'est Alain Forget. Ici, on a notre nouvelle compagnie ici instaurée au Québec depuis les 5 derniers mois. La compagnie s'appelle EXP Overland. Nous avons rentré cette magnifique gamme de remorques Overland pour partir à l'aventure. Donc, une remorque d'aventure de la gamme Mission Overland, fabriquée au Canada pour nos territoires, évidemment. C'est une remorque qui est conçue surtout pour faire du off-road. Donc, c'est une remorque conçue pour aller sur tous les types de terrains. On va parler de roches, de sable, de traverses de rivières, de montagnes. C'est une remorque adaptée à tous les types de terrains. Donc, si on peut faire le tour rapidement, évidemment, c'est une remorque qui fonctionne avec des batteries, batteries lithium, panneaux solaires. Nous avons aussi le propane qui fait en sorte que la remorque devient autonome complètement. Évidemment, on a le rangement pour les batteries. Il y a plusieurs styles de rangement, évidemment. Donc, des batteries, comme je disais, batteries marines, batteries lithium. Il y a toutes sortes de setup qu'on va dire que le client peut mettre à son goût, évidemment. Donc, tout le rangement batterie, c'est ici. Ici, on retrouve toute la tuyauterie de l'équipement parce qu'il n'y a rien d'apparent. Hein? Tout est scellé en dessous avec une plaque en acier à la grandeur de la remorque, évidemment, pour éviter des bris quand on est en montagne. Les roches, surtout, tout ça, pour pas qu'il y ait d'infiltration. C'est entièrement en matériaux composites. Donc, on retrouve pas de bois, c'est en aluminium et en acier, donc c'est robuste. Ici, on va trouver la douche. On a la douche. Il n'y a personne dans la douche, hein? Non, il y a juste un pot dans le coin. Qui devient aussi une toilette, évidemment, exact. Parce qu'on n'a pas la toilette inclue avec la remorque. Donc, il y a une toilette sèche ou peu importe. On a la douche, l'eau chaude sur demande, avec 140 litres d'eau potable aussi à l'intérieur. Donc ça, c'est très, très intéressant pour partir en autonomie plusieurs jours ou semaines. On peut continuer par ici. 140 litres, tu peux estimer ça à combien de jours d'autonomie, plus ou moins? Ben, moi, j'ai une bonne semaine là, à trois personnes, là, cuisiner, prendre sa douche, tout ça. Là, je crois que c'est en une semaine, là, on peut vraiment faire le tour et être correct. Parce que j'ai même une famille qui est venue me parler dernièrement. Eux, ils utilisent 100 litres d'eau et avec 100 litres d'eau, ils sont capables de faire un mois. Ah ouais. Donc, c'est tout dépendant de l'utilisation que vous allez en faire. Good. On a ici pour l'électricité de la remorque. Donc, évidemment, la remorque aussi peut être climatisée. Donc ici, on va venir installer, on appelle ça comme un tuyau de sécheuse. Hein? Donc, c'est un petit freezer portable 12 volts qu'on peut installer à l'extérieur qui ne fait pas de bruit, qui va venir climatiser l'intérieur au complet. Ici, on a l'entrée d'eau pour remplir la remorque d'eau. C'est ici qu'on va venir... Les 140 litres. 140 litres d'eau qu'on va venir remplir par ici. Et en dessous, c'est l'évacuation? L'évacuation de l'eau va être en dessous. Ça va être pour l'évacuation du chauffage. Oui, l'autre humain, le chauffage du véhicule. Exactement, c'est ça. Okay. Puis là, je vois qu'il y a deux stabilisateurs de chaque côté. Deux stabilisateurs de chaque côté qui permet aussi de mettre la remorque à niveau. Parce que là, évidemment, c'est une remorque qui est faite pour tout type de terrain. Donc, si on a des roches... On peut mettre la remorque à niveau avec les stabilisateurs qu'il y a de chaque côté et en avant aussi. Et là, on y va. Bienvenue dans la magnifique Mission. Modèle Summit, parce qu'on a trois types de modèles. Celui-ci, c'est le modèle intermédiaire. Donc, on va faire le tour à l'intérieur. Donc, évidemment, on a beaucoup de rangements. Chaque porte ici est du rangement, 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 rangement. Ici, on va retrouver tous les fusibles. La boîte électrique. La boîte électrique de la remorque. On a évidemment des ports USB. On a un système de son intégré à la remorque Bluetooth. Système de son incroyablement fonctionnel et très puissant. Ici, on peut calculer vraiment la température de la remorque, la température de l'eau, allumer le gaz ou l'éteindre. La fan et toutes les fonctionnalités est toute digitale ici. Donc, on a vraiment lumière intérieure, extérieure, pompe à eau. Ici, on peut rajouter du matériel. Si jamais vous voulez mettre des lumières extérieures, ben, il y a possibilité de venir aussi les brancher sur le petit panneau ici. Là, je vois que tu as du 12 volts. Oui. Et je pense dans la boîte, il y avait des fusibles 110 volts aussi. C'est possible. Oui. OK, 30 ampères avec le branchement qui se trouve à l'extérieur quand on est branché camping. Exactement, absolument. OK. Est-ce qu'il y a des prises 110 disponibles à l'intérieur? Ça peut être possible. Et
Évidemment, la tente, elle est montée. Quand on la ferme, c'est hermétique. On a 6 pieds 4 de clairance à l'intérieur. Donc, on peut vraiment être debout, avoir un bel espace de vie. Ici, table à manger qui va se surélever avec une patte. Elle est complètement amovible. Elle est 360. On peut la reculer, la mettre sur le côté. On peut manger aisément 4 personnes sans problème. Type table lagune. Oui. Évidemment, le réservoir d'eau chaude, ce qui est génial, c'est que le réservoir d'eau chaude, le 140 litres d'eau est sous la banquette ici. Donc, quand on décide d'avoir la température chaude, évidemment, ça vient chauffer le lit également. Donc, confort inégalé pour vrai en nature. C'est vraiment génial. On oublie toutes les... tout ce qui est humidité, on va tout oublier ça à l'intérieur de cette remorque-là. Là, ça, c'est vraiment génial. Moi, je dis que c'est un must. On a besoin de ça dans notre confort. Juste pour la vidéo, il y a 2 fenêtres dans le fond oui. Qui sont fermées pour le moment. Ouais. Et si on ouvre les fenêtres, ça donne une belle luminosité à l'intérieur. Belle luminosité. Voilà. Évidemment, on a aussi le moustiquaire. Donc, c'est vraiment un 2-en-1. On a l'intimité et le moustiquaire. On a évidemment aussi la fan au plafond, qui est très fonctionnelle. Ah, ça l'amène un bon vent, là, je suis content. Besoin. Avec tout est encore une fois contrôlé avec des manettes, tout est digital. Ici, on a la toile opaque. On a aussi la toile moustiquaire. Donc évidemment, on peut aller chercher encore une fois une belle luminosité à l'intérieur si on enlève tout. Une belle chose aussi super intéressante au niveau des remorques, il y a une mission. On appelle ça ici des wrappings, donc c'est toute la couverture extérieure, l'image qu'on va projeter sur la remorque. Comme ici, on a un modèle topographique. Sur la mienne ici, on retrouve des sapins avec un loup, tout ça. On a vraiment en stock 25 modèles de dessins différents, que là on soit en armée, en rouge, en blanc, en bleu, bref, de disponibles 25 modèles, mais au goût du client, le client qui veut le customiser comme il veut, c'est possible aussi. Donc le client peut venir avec son propre dessin? Avec son propre dessin. C'est la seule chose qui va jouer sur le délai de livraison. Il va peut-être attendre une semaine ou deux de plus que le client qui va choisir un wrapping déjà existant. Mais encore une fois, c'est illimité. On n'a pas de limite là-dessus. Good. Ouais. Est-ce qu'il y a une formation à prévoir quand on achète ce genre de véhicule? Ben, on va prendre le temps avec le client là, de bien faire le tour, là, de donner un petit cours 101, évidemment, du fonctionnement de la remorque. On prend le temps avec le client de qu'il comprenne bien comment ça va fonctionner. Mais c'est très, encore une fois, on est dans quelque chose de très, très simple. Au niveau de garantie? Donc, garantie standard de l'industrie, 2 ans sur le châssis, puis 1 an pour la remorque complète, ouais. En tout cas, les aventures sont garanties avec ce genre de véhicule. 100 %, c'est des mémoires, c'est des souvenirs qui peuvent rester gravés là, à vie d'aller se promener dans nos parcs nationaux avec ça. Là. OK, une chose super importante aussi qui est super géniale parce que c'est une machine quand même, on va parler de 54 000 $ qui n'est pas nécessairement donnée pour tout le monde. Puis on m'a souvent posé la question, exemple, que j'achète, mais que je l'utilise seulement 10 semaines ou 8 semaines dans toute l'année complète. Donc, la personne qui me posait la question ne trouvait pas ça rentable pour cette personne-là en particulier. Puis moi, j'ai répondu en lui disant oui, mais vous pouvez la mettre en financement. Donc, un financement, ça vous fait un paiement qui est quand même minime par mois. On parle de 400 $ par mois environ. Mais les fois que vous ne l'utilisez pas, vous pouvez la louer. Donc, en faisant ce type de roulement-là, en fait, c'est que ça vous permet de, un, les paiements de votre remorque se font toute seule. Après quelques années, 2 ans, 3 ans, vous la revendez. Et vous en rachetez un autre et vous continuez. Donc, vous avez toujours un jouet prêt à utiliser. Puis quand vous ne l'utilisez pas, ben là, vous sortez vos contacts d'amis, vous partagez sur des réseaux sociaux en location, puis ça se loue claquement de doigts. Bon, dans du rangement fait robuste, on a ce petit compartiment qui peut servir encore une fois à mettre les épices, les bouteilles de vin. On est en nature, la cuisinière elle est à côté, donc moi j'aime bien avoir tout ce qui est épices pour cuisiner tout ici. Encore une fois, là c'est du heavy duty qu'on appelle, là c'est vraiment fait là, pour la robustesse évidemment, pour les terrains accidentés, difficiles, c'est toutes des choses qui vont durer. C'est durable, c'est très bien fait, tout riveté aussi, donc
Donc, on retrouve ici avec la suspension Timbren. C'est une suspension qui est indépendante sur des roues de 31 pouces. Parfait pour, encore une fois, partir à l'expédition en off-road. Avec une plate en acier en dessous de la remorque à la grandeur au complet pour justement éviter des bruits de tuyauterie, de filage ou tout ça. Il n'y a rien d'apparent en dessous de la remorque. Tout est fermé. Sachant qu'on est dans le monde off-road et que c'est le genre de véhicule qu'on va utiliser pour aller sur les terres reculées. Pour aller en mission. En mission. On invente les missions qu'on veut et on y va. Donc là, évidemment, la remorque, elle est conçue pour être en extérieur, donc avoir un espace de vie extérieur, cuisiner à l'extérieur. Nous, au Québec, on adore cuisiner à l'extérieur, être en forêt. Donc ici, on va retrouver tout le système de la cuisine. Donc ici, on va retrouver nos deux ronds qui est tout au propane. Ici, on a le lavabo. Eau chaude sur commande aussi, c'est important de le dire. Hein. On peut choisir la température de notre eau à l'intérieur de la remorque. Donc on veut de l'eau chaude, c'est instantanément, elle devient chaude tout de suite. Donc encore une fois, fonctionnel, pratique et robuste. Avec de l'espace de rangement sous la petite cuisine. Avec de l'espace de rangement encore également. Ici, on s'en va avec notre système de frigo qui est un frigo Truma, 70 litres. Donc, c'est un frigo qui peut emmagasiner beaucoup de choses. Il peut être soit en mode frigo, en mode congélo, complètement congélateur ou complètement frigo. C'est vous qui décidez comment vous voulez l'installer. C'est une marque, encore une fois, haut de gamme, avec beaucoup d'espace pour tout ranger à l'intérieur pour partir dans vos expéditions, évidemment. Encore une fois, robuste, fonctionnel et haut de gamme. Et de l'autre côté, ça rejoint le coffre à ça batterie. Ça rejoint le coffre à batterie de l'autre côté, absolument, exactement. Là, Alain, pour le véhicule, on parle de quel poids? C'est un véhicule qui pèse 2250 livres. Donc, l'importance d'avoir un véhicule avec un minimum, un moteur V6 qui va pouvoir le tracter, donc que ce soit Jeep, que ce soit Ford. L'important, c'est d'avoir un V6. Donc, avoir un V6, là, ça va être possible de tracter la remorque sans problème. Système de freinage là-dessus? Oui, il y a un système de freinage indépendant ici qui est ici. Un freinage d'urgence. Les gammes de prix, ben, la gamme de base avec celui-ci, on va partir à partir de 54 000. Après ça, pour un modèle complet, on parle de celui-ci qui est complet, on va parler de 57 500. On peut le faire aussi en programme de financement, donc c'est une remorque qui peut se financer. Sinon, ben nous, notre compagnie, on fait la location également, donc on fait de la location à la nuitée. Donc c'est possible vraiment, c'est abordable, avec un prix abordable cette année, 2023 exclusivement. On fait ça à 150$ la nuit, 2 nuitées minimum. On fait un 10% de rabais après une semaine et 15% de rabais après 28 jours. Le client qui loue et qui aimerait acheter dans l'année 2023, on va repayer ses locations aussi. Donc ça, c'est un peu notre plan de promotion pour l'année 2023, vu qu'on vient d'ouvrir la compagnie, que c'est un start-up et que surtout, ça n'existe pas au Québec. Là. On vient de les rentrer. Là. Toute l'information, évidemment, Facebook, EXP Overland. On a expoverland.ca, on a Twitter. YouTube, Instagram, on est sur tous les réseaux sociaux, donc évidemment, c'est simple de nous retrouver. Là, Je réalise qu'on a parlé du véhicule, mais on n'a pas parlé du auvent. Oui, auvent. 270 degrés. Très intéressant comme auvent. On parle d'un auvent qui est 270 degrés. Donc, elle fait pratiquement tout le tour de la remorque. Et encore une fois, très facile d'installation. Là, on parle d'environ une minute à ouvrir. Là, fermé, peut-être 5. Mais c'est encore une fois aluminium, léger, ça se fait très rapidement là. Une fois c'est fermé, ça vient ici, ça vient faire un beau triangle, on va rouler, on va fermer la fermeture éclair et c'est parti, on peut quitter. Et sachant que les côtés se ferment pour faire une pièce extérieure. Absolument, on a tous les modèles ici avec les fermetures éclair. Donc, on peut avoir le choix d'avoir tout ça en moustiquaire ou on peut l'avoir aussi tout avec la toile opaque pour complètement fermer. Oui, faire une pièce extérieure. Faire une pièce extérieure. Puis aussi, avec un système de bâches, on peut installer les bâches puis vraiment venir les piqueter un peu plus loin. Donc, ça nous donne pratiquement un 20 pieds d'aire commune
d'espace commun extérieur pour pouvoir profiter, là, évidemment, de la nature. Parce que le but de ces remorques, c'est pas d'être à l'intérieur. Le but de cette remorque, c'est vraiment de vivre à l'extérieur puis d'aller profiter de nos espaces. Ouais. Là, on parlait de 2500 livres pour le véhicule. 2250 livres pour la remorque. Ouais, 2250. La charge utile qu'on peut mettre dedans? Oh, on peut aller avec le 140 litres d'eau, puis une fois que tout est installé et tout, là, ça peut monter à 3200, à 3100 livres environ. Là, c'est... Ouais. OK. Et est-ce qu'au niveau des expériences, est-ce que vous avez déjà été dans les espaces retirés? Plutôt Québec, plutôt BC, plutôt la montagne? Moi, je vais être honnête avec vous, je ne l'ai pas encore utilisé dans la forêt profonde. OK, on va attendre un retour d'information là-dessus. C'est ça, absolument. Ça, on va pouvoir vous revenir avec ça. Là. Par contre, vu que c'est une remorque qui est très, très, très populaire aux États-Unis, les gens la louent pour surtout faire le désert, le Moab, le désert de la mort, tout ça. Donc, c'est des gens... Il y a beaucoup, beaucoup de vidéos sur YouTube. Si vous faites Mission Overland sur YouTube, vous allez trouver beaucoup de vidéos de gens qui l'utilisent en forêt, dans des traverses de rivières, dans des chemins de roches. Vous allez voir la capacité de traction, comment c'est sur le territoire. Puis c'est assez impressionnant, vraiment. Ce qui est différent souvent aussi des remorques, c'est que pour l'attachement au niveau du véhicule et de la remorque, ce n'est pas une boule conventionnelle. On appelle ça un swivel, en fait. L'avantage de ceci, en fait, vu qu'on parle encore de off-road, c'est que la remorque, en fait, où le véhicule va, la remorque, elle suit. Puis on va aller dans l'extrême, exemple que votre véhicule se retournerait, la remorque, elle va rester droite. Pourquoi? Parce que tout travaille. Donc, le joint travaille comme ceci et travaille comme ceci. Donc, quelqu'un qui n'a pas nécessairement le type de véhicule, exemple comme nous, on a des Jeeps, la personne qui va louer, qui n'a pas nécessairement un Jeep, ça n'exercera pas de force sur son châssis de véhicule. Donc, c'est très, très, très intéressant et très polyvalent. Et au niveau du branchement, ça s'adapte avec, sur ça ici, sur ce type de... Mais nous, en location, en achat, on l'installe ça avec pour le client. Le client vient à la maison. L'importance pour le client, c'est d'avoir un hitch 2 pouces. La personne a le hitch 2 pouces, après ça, on est correct. Nous, on installe. Doit prévoir un 8000 livres de hitch ou... Non, pas du tout. Lui, c'est un hitch à quoi de 2500. OK. Fait que c'est parfait. On a simplement besoin de ça. Et là, je vois que tu as un branchement électrique. Est-ce que ça alimente la batterie? Ça va alimenter la batterie. Donc, c'est un adapteur, évidemment, que ça vous prend à cette broche. Mais si vous ne l'avez pas, inquiétez-vous pas. On est équipé pour vous installer tout ça sans problème. Good. Alain, les prochaines places où on va pouvoir découvrir les véhicules, est-ce que tu as déjà une idée? Oui, absolument. Là, au mois d'août, du 6 au 9 août, nous allons être dans l'Outaouais, au festival Notre-Dame de l'Os, qui est un festival axé surtout sur la chasse et la pêche, parce que, c'est un véhicule adapté pour les chasseurs et les pêcheurs qui veulent partir en prospection ou, évidemment, quand on rentre en forêt à la chasse, souvent, on peut partir une semaine, deux semaines. Donc, encore une fois, c'est un véhicule vraiment adapté pour ce type d'activité ici au Québec, au Canada. Ouais. Good. Parfait. Merci beaucoup, Alain. Merci beaucoup, monsieur. Merci à tous qui écoutez cette vidéo en ce moment. Merci énormément.